travailler chez moi. Mardi, mercredi, venu à son dimanche, je suis vraiment au maximum sur ZY et Langana. Des 30 poissons à ZY et combien idéalement combien 3 poissons par individu pour l'Éthiopie et 3 poissons par individu pour. Parce que ZY, t'en as combien à ZY? Là, ZY, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout, ça fait 50 poissons à choper. Il y a le temps de préparation, après il y a le temps d'acquisition des poissons. C'est-à-dire que s'il faut qu'on commande les poissons à des pêcheurs, etc., là, c'est là où ça risque de prendre un peu plus de temps. Et peut-être que ça sera beaucoup moins cher, j'en sais rien. Je préfère prévoir un peu plus. Ouais, mais l'argent du projet, il est pour ça, donc aucun problème. J'ai même acheté des petites des petits souches de factures pour. Ah, c'est bien. Parce que je suis obligée, moi, de tout justifier. On va se faire notre planning idéal et après on adaptera en fonction. 26-27 fouilles. Et les deux jours d'après, on remet poissons, ZY, Langano et on verra. Ce qu'il y a encore besoin de faire. Ok, donc 28-29, ZY Langano. Et on peut chercher les otolithes. J'ai les scalpels, j'ai les crânes. Pour un crâne, peut-être pas tous. On dit qu'on sacrifie un crâne et on voit vraiment où choper l'otolithe. Ah ! Et ben voilà. Il est grand, mais il est sorti comment? Avec la téléviseur derrière là. Bah oui, mais j'ai juste fait un trou là. Putain, il est vachement gros, hein. Attends. T'as fait un trou crâne, là. Tu vois mon trou? Et ça l'a poussé. En fait, ça l'a poussé et il a dû glisser par le trou de l'occipital. Ça va être long, je pense, hein. Dans la partie préparation des poissons. Non, mais c'est pareil, là il faut qu'on en discute, qu'on voit combien on en ramène par espèce. Mais il en faut pas beaucoup, je pense. Non. Donc, on s'achète 4-5. Ah, ça y est! Bah, tu vois, ça va, hein. Super, bravo. À ZY, on pourra quand même tester d'acheter sur les premiers Eurochromis, de tester d'enlever les otolithes. Avec la peau. La peau, ouais. On prépare le squelette et on voit l'état du crâne. Et si vraiment on voit que ça abîme trop, on fera séparer. Ouais. Et sinon, on fait le même. Ouais, non, tout à fait. Pour les isotopes, c'est que Oreochromis aussi. Non, que les tilapia, donc tilapia zili et Oreochromis. Donc isotope. Essaye et on. Puis après des trucs. Donc, au niveau de ta numérotation, tu mets un PAG, un PAI, un PA. Bah, je mets le numéro du poisson suivi de PAI ou PAG en fonction de si c'est préalablement analyse isotopique ou génétique. D'accord.